Une soirée de fête, un palio illuminé comme un sapin de Noël. Le BBD a décroché hier soir la plus large victoire de son histoire professionnelle en atomisant Saint-Quentin 104 à 62, 42 points d'écart et un festival de paniers comme sorti tout droit de la haute du Père Noël. 13 paniers à 3 points en deuxième mi-temps, une équipe euphorique et pour la première fois de la saison en pleine confiance. On en met un, deux, on voit le collègue qui en met, enfin voilà, ça donne confiance à tout le monde et voilà, tout le monde, on le dit tout le temps avant les matchs, les gars, faut qu'on se fasse plaisir, faut qu'on se fasse plaisir, je pense que ce soir on s'est fait plaisir, donc, et on en a donné, j'espère, aussi aux gens qui étaient là ce soir. Pourtant, à la mi-temps, rien ne laisse présager un tel scénario. Emmené par Jason Seegers, l'ancien Boulazacois Saint-Quentin s'accroche, le BBD ne mène que 34 à 31 à la mi-temps. C'est au retour des vestiaires que le match bascule. D'entrée, les Boulazacois enchaînent les paniers et creusent l'écart pour mener 65 à 50 à la fin du troisième quart-temps. Les 10 dernières minutes virent au festival avec 39 points inscrits. Je pense que ça fait du bien aussi pour de faire un bon match au Palio pour les gens qui sont venus ce soir, parce que voilà, il fait 0 degré dehors, donc c'était bien. J'espère que ça a attiré les gens et puis que ça a donné ce match-là confiance à tout le groupe. Passé l'euphorie, le BBD doit se reconcentrer pour enchaîner 5 matchs d'ici le 30 décembre avec la venue de Fausse-Provence dès samedi au Palio.